Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Coupon. En tout cas, c'est de tout s'abonner, cliquez là sur abonner pour activer la cloche d'abord, pour tout simplement nos prochaines vidéos. Waouh, vous voyez, nous sommes sous le soleil, mais ça sera plein de difficultés qui vont nous empêcher de vous parler de ces choses. Et si nous vous parlons de ces choses aujourd'hui, que vos yeux s'ouvrent et partagez cette vidéo à tout le monde pour que leurs yeux s'ouvrent également et que tout le monde fasse tout simplement attention. Parce que le diable, Satan, il travaille nuit et jour contre notre vie. Soyez prêts. Soyez prêts! Let's go! Ouh! Mais de quoi allons-nous vous parler aujourd'hui, Seigneur Scrubom? Ce dont nous allons vous parler là, c'est trop grave, c'est grave. C'est d'une gravité extrême. Mais ce sont des choses qui existent bel et bien. Mes frères et sœurs, si nous vous posons cette question de savoir par quoi reconnaît-on une bonne personne ou une bonne femme, c'est par quoi? C'est par des signes. Est-ce que vous voyez? C'est par des signes. Mais quels sont ces signes exactement? Quels sont ces signes? Ce sont ses fruits, son comportement, n'est-ce pas? Voilà. C'est son comportement, là, le comportement de cette personne ou de cette fille-là, qui va, ou de cet homme, qui va nous permettre de détecter si cette personne est une bonne personne. Vous voyez? Voilà. Ça veut dire que pour pouvoir mieux comprendre la personne, mieux savoir qui est cette personne, il faut l'examiner en détail, de la tête jusqu'aux pieds. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et c'est ce que cette personne va présenter, c'est ce que cette personne va faire là, qui va nous donner des indices sur ce qu'elle est ou son état d'âme. Et pour pouvoir mieux comprendre son état d'âme, il faut aller en profondeur, c'est-à-dire qu'il faut prier et Dieu lui-même va vous révéler clairement en songe qui est celui avec qui vous marchez. Mais ici, nous allons vous parler de quelque chose d'encore plus grave que ça. Il s'agit des bagues magiques. C'est un signe qui se trouve sur des gens pour nous permettre de connaître leur identité spirituelle ou encore qui ils sont. Sont-ils de bonnes personnes ou pas? Est-ce que vous voyez? Soyez prêts. Soyez prêts. Un jeune, comme vous et nous, il allait à la rencontre d'une femme chez qui il allait prendre tout simplement des affaires, tout simplement. C'était un lieu public, un lieu où il y avait du marché, on pouvait acheter des trucs, c'était un truc comme ça. Est-ce que vous voyez? C'est exactement ça. Et quand il est arrivé à ce lieu-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé? Nous allons tout vous raconter ici. Il a rencontré une personne, un homme riche, un riche homme. Et tout de suite, cet homme l'a appelé. Et quand cet homme l'a appelé là, il était un peu étonné de savoir que cet homme l'a appelé parce que c'est un homme vraiment quand même important. Il est riche vu son accoutrement. Cet homme l'a appelé, il lui a dit, bonjour mon fils, ça va, viens, s'il te plaît. Quand il est venu, et que cet homme l'a salué, lui a tendu la main, il a vu dans sa main là, une bague. Et au bout de cette bague là, se trouvait quoi? Un crâne. Un crâne. Où est les bagues? Où il y a des crânes au-dessus là? Voilà. Il y a beaucoup d'artistes célèbres qui aiment porter ça maintenant. Nous allons comprendre au travers de ce témoignage ce que ça veut dire. Et quand cet homme-là a vu cette bague-là dans la main, il était un peu dépassé, mais il s'est dit, bon, peut-être c'est son style, et il a laissé ça passer. Et cet homme-là lui posait des questions. Et papa, il va bien? Il n'a jamais vu cet homme dans sa famille. Mais qui est cet homme? Qui est-il? Mais il répondait quand même à ses questions. Il disait que tout le monde allait bien. Pendant qu'il causait avec ce monsieur, il a remarqué que ce monsieur-là tenait toujours sa main, il serrait sa main. Regardez, au fur et à mesure qu'il causait lui, le monsieur serrait sa main comme ça, durement. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je te connais même pas et puis tu serres ma main comme ça. C'est ce que ce jeune-là se disait dans l'esprit, dans sa tête. Et après un moment,
Le monsieur a laissé la main du jeune et il lui a dit de partir. Quand le jeune va reprendre son chemin, ou encore sera sur le chemin du retour, voici que le monsieur va encore le rappeler, lui dit mon fils, viens s'il te plaît. Et quand il est venu au niveau de ce monsieur, cet homme lui a dit, lui a posé une question, dis-moi, c'est quel Dieu tu pries? Tu es chrétien ou bien tu es musulman? En tout cas, le Dieu que tu pries là, il faut bien le prier, il faut bien l'adorer. Parce qu'à tout moment là où je suis arrêté là, on a besoin de sacrifices. Et tous ceux qui passent là, on les regarde, on les observe. Et quand on voit que tu pries, on t'appelle, tu es attiré par nous. Quand tu viens vers nous là, et qu'on te serre la main, tu as vu la bague qui se trouve dans ma main là? Voilà, c'est pas une bague comme les autres, c'est une bague magique. Cette bague là a un pouvoir. C'est le pouvoir d'attraction, ça va t'attirer vers moi. Afin que quand tu vas venir vers moi, tout ce que je vais te dire là, tu vas accepter, tu vas écouter et nous allons aller te sacrifier après. Tu vois la voiture qui est là-bas là? Est-ce que tu vois la voiture qui est là-bas là? Voilà, cette voiture là, c'est nous qui avons placé cette voiture ici, c'est ma voiture, c'est la voiture de nos opérations. Nous venons d'attraper déjà 5 personnes, c'est toi maintenant la 6e personne. Non, 4 personnes, c'est toi maintenant la 5e personne que nous devions maintenant attraper. Mais vraiment, prie ton Dieu. Continue à prier ton Dieu, quelque chose que tu pries là. Continue à prier ton Dieu. Il faut le remercier. Parce qu'aujourd'hui là, c'était fini pour toi. Quoi? What? Hey! Tu t'en rends compte que cet homme là, d'apparence, il a attiré tout le monde. Il pourrait attirer le regard même du diable. Il a attiré le regard de qui? Le monde entier. Mais ici, il avait quelque chose de bizarre sur lui. La chose qui était bizarre sur cet homme, c'était quoi cette bague-là? C'était un signal. C'était un signal pour te dire que cette bague qu'il a en main avec la tête de mort dessus, ce n'est pas une bague ordinaire, c'est quelque chose de dangereux. Et quand cet homme s'est confessé, tout de suite, nous avons compris qu'il y a un danger dans certaines bagues. Il y a un danger dans cette bague en question. Il y a quelque chose de très mauvais dedans. Et ça vient du diable, de la magie. C'est la bague magique. Ce sont des bagues de Satan lui-même qu'il donne à ses agents. Et ces bagues-là, ça existe. Ça existe. Ce n'est pas la seule bague. Il y a encore une autre bague. Voici comment cette bague-là ressemble. Faites attention. Tout ce dont nous sommes en train de vous parler là, vous allez les voir. Vous allez détecter chaque élément de la société. En général, même ce sont les gens haut placés là, qui portent ce genre de bagues. Voici une deuxième bague. La deuxième bague-là, elle est genre comme une bague ordinaire, mais le problème ici c'est qu'elle a un serpent au-dessus, un serpent au-dessus de cette bague. Ou bien un serpent, est-ce que vous voyez? Voilà, il y a un ex-sataniste, c'est tout, monsieur Yonskebron, qui a reçu cette bague là et on lui a dit que cette bague avait le pouvoir d'attirer une sirène bien déterminée. Et il fallait se rendre dans un endroit bien déterminé pour pouvoir attirer cette sirène. Et quand vous vous rendez à cet endroit précis, vous n'avez qu'à tourner cette bague-là plusieurs fois. Plusieurs fois. Et au fur et à mesure que vous serez en train de tourner de cette bague, que va-t-il se passer? La sirène va sortir de l'eau et viendra à votre rencontre. Mais vous n'ayez pas peur. Voici l'instruction qu'ils ont donnée à ces satanistes quand il a reçu cette bague. Ou encore cette bague magique. Quand il est arrivé aux environs de 16 heures sur la plage, il a trouvé des gens qui étaient en train de s'amuser. Et lui, de loin, il a commencé à tourner la bague pour voir ce qui allait se passer.
est-ce que ce qu'on disait, ce qu'on racontait, ce qu'on lui a dit là, est-ce que c'est vrai? Lui voulait tester pour voir. Et qu'il a fait, une femme très belle, une femme blanche, d'une beauté extrême, est sortie de l'eau. Et quand elle est sortie de l'eau, elle a appelé. Au départ, il avait peur. En tout cas, il avait un peu peur. Il dit que même quand tu es mystique, souvent là, tu as peur. Et cette femme-là lui a dit, viens, viens, je sais qui t'a amené. Et elle lui a dit le nom de celui-là même qui lui a donné cette bague-là. Vous savez c'était qui? Bon, c'est pas d'importance. Mais c'est un homme qui lui a donné cette bague-là. Ah! Et quand il est entré dans l'eau, à la rencontre de cette femme, il a vu qu'effectivement, c'est une sirène. Elle a, comment on appelle ça, elle a la queue de poisson. Est-ce que vous voyez? Et cette queue de poisson-là, lui sert à nager, vous voyez? Se déplacer dans l'eau. Et elle avait mis son pouvoir sur cet homme-là. Au point où, même quand ils entraient dans la profondeur de l'eau, cet homme respirait normalement. Et quand ils étaient presque arrivés du monde de la sirène, là, elle s'est transformée en une vraie créature, une vraie femme avec des jambes. C'est à ce moment qu'il a compris que c'est lors des évocations qu'on peut voir clairement des sirènes avec les queues de poisson. Sinon, en clair, elles ont des jambes et elles sont très belles avec de longs cheveux. Ça veut dire que cette bague qui tenait dans la main là avait le pouvoir, un pouvoir bien déterminé, un pouvoir d'attraction, un pouvoir d'attirer, mais d'attirer des mauvais esprits. Ou s'il attire des bonnes personnes, c'est pour aller les sacrifier. Ça veut dire que toutes les personnes avec qui vous allez voir de telles bagues, ou des bagues avec des caïmans, il y a souvent des bagues même avec des crocodiles là-dessus. Où est les bagues avec des choses qu'on ajoute, les annexes, tout ça là. Attention! C'est pourquoi Dieu lui-même, dans la parole de Dieu lui-même, nous a demandé d'éviter ces choses. D'éviter ces choses. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a des démons qui possèdent ces choses-là. Qui possèdent ces objets. Qui possèdent tous ces trucs-là. C'est ça le danger qui est derrière tout ça. C'est parce qu'on ne vous a pas dit c'est ça. C'est parce qu'il y a des démons qui possèdent ces choses. Et l'homme doit faire vraiment très attention à ces choses. Maintenant, toi, qui as cette bague-là, que vas-tu faire? Avant de te débarrasser de cette bague, il faut invoquer le sang de Jésus-Christ sur tes doigts et sur cette bague pour détruire le pouvoir qui se trouve dans cette bague. Une fois que tu l'auras fait, tu peux brûler avec le feu cette bague-là. Est-ce que tu vois? Voilà. Et te confier à un homme de Dieu qu'il fasse le reste. Un vrai homme de Dieu, pas n'importe qui. Ah, mes frères et sœurs, il y a des choses vraiment graves dans ce monde et il faut que tout le monde, il faut que quelqu'un vous en parle. Les bagues magiques existent. Des personnes existent bel et bien pour acheter ces bagues. Les gens qui veulent acheter, qui sont même en quête de pouvoir. Tu vas voir hein, qu'il a une bague, après tu vas voir qu'il a deux bagues, après il a trois bagues et ce sont de grosses bagues comme ça sur sa main. Mes frères et sœurs, vous ne vous posez pas la question de savoir. Aujourd'hui, vous avez la réponse à vos questions. Il y a un danger dedans et ce sont des bagues mystiques. C'est un pouvoir, c'est de la magie. Attention, attention, attention. Souvenez-vous également que vous pouvez partager cette vidéo à tout le monde. Vous abonner à cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Laissez un like pour nous faire savoir combien de fois vous avez compris ou vous êtes touché. Un commentaire également. Vous attendez sur cette vidéo pour vous exprimer et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Nancy Report. Que Jésus vous garde, qu'il vous bénisse. À bientôt.